Là, on va. Christophe, il va aller piéger un rat. Il a vu, donc observé un rat pas loin de la maison. Et du coup, bah, il veut l'attraper. Donc voilà la cage dans laquelle va piéger le rat. Voici la cage. Et dans la cage, on a un peu de maïs. On va mettre aussi et les arachides. Un piège qui est là. Vous pouvez observer là. Et apparemment, il va aussi mettre du maïs. Des arachides plutôt. Super, hein. Tu trouves ça. Donc là, on se dirige vers le lieu où Christophe a croisé le rat. Donc, il met le piège ce soir. Comme ça, bah, dans la nuit, le rat va peut-être venir et être piégé. Bonjour monsieur le canard. Aïe. Donc voilà, là, c'est tout séparé. Je mets la range. À décalquer les pièges. C'est le cage pour attraper vivant. Ça, c'est. Ça attrape, ça a tué. Ça, ça frappe ici. Ah, du coup, ça, oui, ça le frappe et donc ouais, ça le tue. Tu mets là, le maïs ici. Ouais. Quand il vient vouloir manger, il tue ça. D'accord. Ouais. Et là, ça, c'est la cage pour attraper vivant. Attraper vivant. Le thé, c'est une autre aïe. Sirac, ou quand tu as fait ça, Sirac. Comme que quoi, j'ai été dans le bout, non? Il y a un nom, non? Non. Puis un nom, tu es sauvé à Woman, non? Quoi? Aïe. Et quand j'ai été dans le bout, et quand j'ai Vincent, tu es dans le bout, ma soeur. Voilà un nom, tu as été. Et là, un nom, non? Ah. Mais quoi, d'accord. Et ça a été un peu comme ça. Et tu as comme ça, tu as dit que 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 tu Et que il y a moi qui ont été comme Béatrice. Je dis. D'abord, il dit même après là, c'est comme. Ben, un coup de vie. Il faut que je me souvienne de ce que je veux dire. Pour Marie-Jeannette. Bon, pas de. Pour pas de. Le vin quelque chose. Parce que Mathieu a payé 9 ans du mois, non? Pour Marie-Jeannette, entre d'ici le vin quelque chose, non?
Donc, moi, je hey, bien en tout cas. Le vin. Le vin. Est-ce que vous allez partir au crédit? Moi. Donc si n'y avait pas, s'il y avait le Christian, d'accord. Christian, hein? Christian a crédit, hein? Mais vous finissez vos dieux, non? Ça c'est les arachides pour mettre dedans, pour le piéger. Moi, il y a bien bon les melons, hein? On va voir là où la bête sévit. Ça va être un peu sombre. Ici dedans. Il vient manger les melons. Il vient manger les melons. Les courges. Qu'il y a ici. Du coup, on va essayer de poser le piège là-dedans. Bon, c'est un peu tard. Un peu sombre. Du coup, on voit pas très bien. Moi, je reste dehors du coup. Comme ça. Du coup là, on va aller vérifier le deuxième piège de rat que Christophe a posé il y a quelques jours. Donc je te suis. Ouais. J'espère que cette fois-ci, celui-ci, ça a marché. On va voir. L'autre n'avait pas marché. C'était le seul qui a pas marché. Ça a quand même fait une semaine sur place. Ah, une semaine? Ah ouais. Les canards, les poules. Placez-vous. C'est en bas les avocatiers. Ici là, il vient chercher les avocats. Ouais. Quand les avocats tombent, ils viennent ramasser le ciment. Ils ont besoin de la vitamine comme nous autres. Tout à fait. Ça les intéresse aussi comme nous. Ah, voilà. Ça a pris. Notre famille a ça de pris aujourd'hui. Ah. Elle aussi. Il a eu la malchance aujourd'hui de venir en dedans. Mais... Là, voilà. Voilà le rat. C'est quoi que... Le piège a bien marché. C'est une femelle. Une femelle? Ouais, c'est une femelle. C'est une femelle. C'est déjà du piège quand tu attrapes comme ça. Tu peux élever. D'accord, tu gardes dedans pour l'élever. Tu peux le garder dedans, tu l'élèves. Ouais. D'accord. Et du coup, si tu chopes un mâle, tu vas le lancer là pour le croiser. D'accord. Ouais. Ok. Ouais. On remonte à la maison avec. Ouais. Immédiatement, tu fais les feuilles pour garder. Mettre dedans pour qu'il se réchauffe avec.
Mmh. À chaque fois, tu dois rester dedans pour te cacher. Mmh. Ça va le réchauffer. Si je trouve un client, je peux le vendre. D'accord. Et si j'ai besoin de la viande, c'est tout. Je tue et je mange. Hein? Mmh. On ne peut pas toujours vendre. On dit qu'un homme normal doit manger au moins 36 kg de viande par an. Et 36 kg de viande 36 kg de viande par an. D'accord. Un homme normal. Mmh. Ouais. L'homme qui n'est pas malade, qui a la santé, va manger 36 kg de viande. Donc voilà ce qu'il vient chercher. Il vient chercher les avocats. D'accord. Ouais. Et c'est les avocats ici qui deviennent seulement. Dieu qu'on dit un peu ici. Manger que les déchets de ça, tu ne dois pas manger ça. Ouais. Je tue sur les intestins que tu vas manger. Ouais. C'est le chien qui voit sa nourriture. Il dit seulement tue-moi ça, tue ça, tu prépares ma nourriture, je mange. À chaud, mm-hmm. Ouais, qui ne meurt pas. D'accord. Et après, le rat a trop froid, vu que l'être humain. D'accord, du coup, ouais. Il faut mettre ça dans la cage. Il faut mettre ça dans la cage. D'accord. Et ramasser la nourriture, le maïs, tout ça. Mm-hmm. On met dans la chambre pour le manger. Jusqu'au jour où on a besoin de sa chambre, on lui tue. D'accord. Approprié pour lui. D'accord. Ouais. Ah, ça, c'est le cage pour chercher les autres. Voilà. Je mets ça et puis se réchauffe souvent avec. Se font donc ici vont là-dedans, c'est-à-dire on garde toujours cette